louer tu es ma lumière. Elle a 4 ans, elle s'était fracturée le bras il y a 2 mois de ça. Donc, suite à ça, le médecin a estimé qu'il fallait mettre un demi-plate parce que l'enfant n'avait rien. 14 jours plus tard, on enlève le demi-plate, l'enfant a touché le bras enflé. Ça n'est toujours pas. Et nous sommes réparés par le médecin, mais je vous assure que j'étais mal à l'aise, je ne dormais plus. Et j'ai pressé le jumeau de prière, je disais vraiment, en fait, c'est ma vie. Et moi, si je vais arriver là-bas, c'est pour ma santé, y compris pour ma famille. Sincèrement, donne-moi ce temps pour cette santé qu'elle mérite. Et après, le médecin a estimé qu'il fallait refaire le plat. On a arrêté la radio, le bras était toujours en paix. Et après, il y avait vraiment une fracture au niveau du cou. Et après, on a arrêté le plat. Puis 14 jours plus tard, le plat est enlevé, mais l'enfant n'arrivait pas à toucher l'épaule. Et je mettais, en fait, je demandais à l'enfant de faire. Depuis 4 jours de cela, l'enfant arrive à toucher l'épaule et le bras ça va déjà. Mais sincèrement, grâce aux prières et j'ai vraiment grâce à Dieu. Merci encore. Oui, tu es ma lumière.